Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. C'est un privilège pour moi-même, c'est un honneur, et surtout pour nous occuper, chers là, pour la gloire de notre Seigneur et de notre Dieu. Je vais tout d'abord présenter avec moi, avec nous-mêmes, des légations qui sont du côté de Spring Valley. L'église de Spring Valley, actuellement, il y a un pile mondial qui est en voyage qui est du côté du Canada. Il y a d'autres tout qui sont en Haïti. Donc, il y a une faible délégation qui accompagne nous. Selon la chair, il paraît faible. Mais puis, il soit devant le Seigneur. Donc, on dit à l'église de Spring Valley. Merci beaucoup. Nous disons merci à vous-même qui faites le déplacement pour nous capables là à Soya et pour nous partager ensemble le message de la parole de Dieu. Moi, invitez-moi encore, comme vous avez déjà lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, il y a un chapitre qui est connu et un verset que tout le monde connaît. Moi, même là, on nous guette en semaine dans l'évangile, nous guette en 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais cependant, nous allons faire des considérations là dans l'Yasuéa qui va être utile pour nous. Mais c'est seulement encore le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a une autre version qui dit qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, ça va être notre lecture. Frères et sœurs en Jésus-Christ, encore une fois, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17, il y a un verset qui est connu de tout le monde. Mais cependant, il y a un pile de bagailles nous manquer là-dedans. Le nous appelons, le nous méditer, surtout, nous manquons de mettre en phase. Sous deux bagailles importants là-dedans que Aspa nous voulait mettre en face sur lui-même. C'est premièrement être en Christ et deuxièmement être une nouvelle création. Frères et sœurs, c'est deux bagailles tout à fait différentes. Là, on monte dans Jésus-Christ et là, on monte dans l'Église. Nous disons bagailles qui sont tout à fait différentes parce que aujourd'hui, dans l'Église, nous rencontrons toute qualité de monde. Nous rencontrons toute qualité de tendance, nous rencontrons toute qualité de bagaille dans l'église aujourd'hui. Mais cependant, il y a une différence qui fait les gens dans Christ et les gens dans une religion tellement. Le fait que les gens ont appartenu à une dénomination, appartenu à une église, ce n'est pas une garantie, ça y est. En effet, le Seigneur Jésus-Christ, il compare au royaume nord. Tant pour yon pécheur qui a jeté yon nas dans l'homme. Le moun jeté yon nas ou bien yon brivier dans l'homme, li ramasse toute qualité poisson. Mais cependant, dans tout poisson ça yon qui ramasse, ya, c'est pas tout la de yon qui bon. Yon ramasse bon poisson yon, yon mette yon de côté pour yon bon usage qui utile pour la cuisine. Et quelques poisson ça yon ou yon prenant sel nan, si ce péché a c'est dans l'homme, il a jeté dans l'homme encore. Si c'est atelier, son drôle va faire pour l'enterrer, parce que le poisson ça n'est pas bon pour aucun usage. Alors, je suis dans une ville côtière, quand je suis sorti pour le pécheur, les gens ont péché, les gens ont saine comme ça, c'est un système saine qui a été très mal, qui a été péché dans les années 70 et 80. Là, on a ramassé le poisson sans quantité. Mais, il y a parmi les poissons, il y a un qui est là, car il y a qu'on est. Poisson ça n'a pas de bon usage du tout. Yo pour jeter, c'est celle les plus démunis, les plus pauvres qui vont ramasser. Et poisson ça a souffert de manger, nous devons mettre servi avec tout ou bien citron ou bien orange, il va pas retirer ça dans le. Donc on devons dire que la caille a connu. Si vous mangez le dehors, la caille a connu. Donc poisson ça n'a pas de bon usage du tout. Donc c'est pour ça que nous comparons actuellement mon nom. Nous avons vécu longtemps, côté plus que jamais, l'église y a plus de monde. Il est vrai que ici, aux États-Unis, statistiques, il n'y a pas que l'église a décliné.
Mais parmi les immigrants, parmi les gens qui ont venu, l'église a gagné plus de monde. Et ils disent que c'est l'église immigrante qui a grandi ici aux États-Unis. Bon, en mettant parmi tout le monde qui est dans l'église, est-ce que tout le monde est dans Christ? Nous rencontrons toute qualité de tendance, ils disent que dans l'église, nous nous rassemblons. Et ils ne sont pas gagnés par contre dans tant longtemps. Dans l'année que nous avons fait un apprenti dans l'évangile, nous avons dit que nous avons vendu l'église. Hein? Nous avons demandé ça. Amen. Nous avons dit que nous avons vendu l'église. Devant, même devant l'église, nous avons dit. En même temps, nous avons dit que nous avons l'autre bagaille, parce qu'on est chaque passé, nous avons dit que nous avons dit que nous avons vendu l'église. 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 Mais chaque passé. Pourquoi l'église est douée l'assemblée des saints, l'assemblée des fidèles, l'assemblée des croyants? Oui, en réalité, c'est ça. Mais cependant, nous voulons faire une distinction. Il y a des gens qui viennent dans la religion, qui viennent dans l'église, mais au bas en Christ. Être en Christ, c'est recevoir d'abord Jésus-Christ dans la vie comme maître et sauveur personnel. Et pour recevoir Jésus-Christ dans la vie comme maître et sauveur personnel, c'est reconnaître que c'est un péché. Et en tant que un pécheur, ou perdu, ou privé de la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même lui rencontrer avec vous-même, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sous la croix, lui mourir, lui verser sang pour pas nos péchés. Et n'importe monde qui recevoir sacrifice, ça, qui recevoir le sang de Jésus-Christ qui verser sous calvaire pour pas nos péchés, ou venir dans l'autre monde. Il y a une transformation qui fait dans le monde, ou pas même monde encore. Le Seigneur Jésus lui transforme totalement, lui change l'intelligence, lui change la pensée, lui change le cœur, lui même change la façon qu'on a vivre, la façon qu'on a vivre dans la société. Lui change le cœur. Il va où un cœur de chair, il va où un cœur de pierre, ça veut dire un cœur dur. Un cœur qui n'a aucune compassion, qui n'a aucune miséricorde pour les autres. Jésus-Christ change le cœur, tu sais que méchant ça que tu gagnes. Mais vous n'y allez pas où. Un cœur qui est compatissant, un cœur qui est bon, un cœur qui est doux, un cœur qui est capable de comprendre. Un autre monde qui a besoin et qui a nécessité. Ça, c'est le travail que le Seigneur Jésus qui fait dans le cœur nous. Les changer pensée nous. Tout ça qui était dans la tête nous. Penser que nous déporter vers le mal seulement. Et nous venir ingénieux au mal. Non, mais nous vivre la même chose où la technologie a avancé. C'est comme ça les hommes ont avancé dans le mal. Pour y aller là-bas avec une technologie moderne qui vient, péché à moderniser le tout. Libre toute forme. Alors. Nous disons que le Seigneur Jésus lui transforme les pensées nous. Pendant qu'on est dans la tête des hommes, c'est bagaille qui mal la donne, la réfléchit, c'est bagaille qui mal seulement. Au serviteur de bon Dieu qui déclarait, il dit, nous t'en avons parlé de monde de bien, si vous êtes capable de connaître qui s'est passé dans la tête de monde de bien, c'est bagaille abominable. Non, mais pourtant, vieux bagaille ça, vieux mauvaise pensée ça, qui a monté, qui a passé dans la tête de l'homme. Que l'homme a obéi à lui-même, a fait, a pratiqué. Le Seigneur Jésus l'a changé pour nous-mêmes. L'a changé, l'a retiré pour nous-mêmes, au contraire, pour nous. L'a mis dans nous-mêmes de nouvelles dispositions, de telle sorte que nous avons pensé, que nous avons réfléchi, nous penser et nous réfléchir pour nous faire bagaille qui d'accord avec la volonté de Dieu. Nous faisons pour nous penser pour nous faire le bien. N'a pas pensé pour nous faire bien assemblable nous, n'a pas pensé pour nous faire bien pour prochain nous, nous avons pensé comment que nous capables de faire bien même pour si là qui au loin qui trouvent dans des situations difficiles. Travail ça c'est seul le Seigneur capable de faire pour nous-mêmes. Mais les hommes méchants qui ont avancé chaque jour dans l'iniquité, laissez-nous tout sauver, ils ont pensé, ils ont dormi avec mal à nos pensées, ils ont levé avec mal à nos pensées et demain matin ils ont couché mal là. Le Seigneur, il transforme que nous, il transforme pensée nous, et lui-même transforme façon que nous agissons dans la société. Ça, c'est l'un nous dans Christ. Autrefois, l'un nous pas connaît Christ comme maître et sauveur personnel. Nous te marchons d'après pensée nous, d'après volonté nous, d'après là où lui montre ça. Je vois le monde là à vivre, je vois le monde là agir. C'est pour ça nous-mêmes, tout nous te l'a donné. Ça veut dire, l'un on a travaillé, volant, nous-mêmes nous volons tout. Ouais, les hommes
courir à droite, à gauche, dans l'iniquité, dans la méchanceté, dans toute qualité mauvaise œuvre, nous te la donnons tout. Mais là, nous venons recevoir Jésus-Christ dans la vie, nous sommes maître et sauveur personnel, nous dit qu'on y a. Nous pas dans le monde là encore, nous dans Christ. Et c'est ça qui fait que qu'on y a. Nous sommes l'autre. Si nous différents de tout le monde où est qui a vivre Jean hôpital dans le monde là, c'est pas parce que nous faisons une grande famille, c'est pas parce que nous recevons une éducation qui est supérieure à celle de l'autre, mais c'est parce que Jésus fait pour nous. Si nous quelque chose aujourd'hui, c'est pour nous dire c'est pas la grâce de Dieu, même dans l'apôtre Paul dit, si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Si nous saluons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, bon travail que lui fait en nous-mêmes. Travail, ça c'est un travail qu'il fait en profondeur dans nous-mêmes. Frères et sœurs, laissez-moi mettre en garde contre une série d'activités, contre une série de bagages qui a fait dans le monde ça aujourd'hui. Qui n'a rien à voir avec l'évangile du tout. Pour nous ça passer, Satan dans le dernier temps ça, il déguise lui. Les déguisés liens, comme si nous nous déguisions comme si c'était des chrétiens qui étaient. L'entrée nous assemblée, nous libérons le peuple, nous avons toutes nos qualités de force enseignement, toutes nos qualités de l'autre bagaille. Nous faut qu'ils sont toutes l'autre bagaille. Excepté sous parole, bon Dieu. Pas comme si l'église n'est pas ici comme ça. Mais la majorité de l'église, il faut qu'ils sont toutes l'autre bagaille. Il faut qu'ils sont toutes l'autre bagaille. Depuis comme si tu as poussé réjouissance dans qui va. Tout le monde là dans réjouissance là. Tout le monde là dans réjouissance. Il y a pas d'or, tout le monde là. Mais pour parole là, pour régler, qui pour transformer, qui pour changer, gayo, tout le monde tombe dormi. Alors, Fabo ici tu réveilles la vie ni pour nous-mêmes. Pour lui dire nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous n'avons Jésus, puis nous différons. Tout l'autre monde capable de venir pour bamboche là, c'est vrai. Mais nous-mêmes, nous prenons, nous venons pour bagaille qui est plus important. Nous venons pour nous donner les oracles de Dieu. Et c'est ça, le Seigneur lui laisse pour nous-mêmes. C'est parole là, nous laisser pour nous. Et ce n'est pas parole là, tout, nous capables de grandir. Et ce n'est pas parole là, tout, nous capables de fonctionner. Donc, être en Christ, je veux dire en pile bagaille pour nous-mêmes. Si quelqu'un est en Christ, assurez-vous dans les mots réalisés. Ou pas un monde qui vient dans l'église du Nazareth et le Patterson. Nous ne sommes pas venus là comme si c'est un monde qui est dans l'église Bethel de Patterson. Non! Nous sommes venus et sortis comme un monde qui est dans Christ. Amen. Peut-être si c'est dans l'église, ça y est, si c'est là, ou attaché, ou bon, l'église a fonctionné. Non, laissez-nous. C'est pas tout à fait à ça. Tout à fait à ça, c'est dans Christ d'abord. L'homme ou guettant enraciné et prend ou prend même dans Christ là. Laissez-nous. Ou est vent en paix, difficulté, la vie, tracas, problème de chargé qui a passé énormément et en dans l'église, nous pas chargé du tout. Ou a tant fait parce qu'on baptise le roc solide. Jésus-Christ est le roc solide. Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est le rocher des siècles. Moun qui prend le voie lui, nous pas jamais tombé dans la confusion. Et en Christ. Nous réaliser, nous pas seulement, nous pas dans la religion, c'est pas seulement dans l'église nous y est, mais nous dans Jésus-Christ. Alors l'apôtre a continué, il enchaîne, il dit, si on monde dans Christ là, monde ça, il vini, il y a l'autre création, il vini, il y a l'autre monde. C'est un bagage qui te paraît un peu difficile pour Nicodème. Elle est venue pour côté Jésus de nuit et puis lui poser Jésus question et puis Jésus dit, Nicodème m'a tout ça en vérité. Si on ne parle de nouveau, il n'est pas capable de voir le royaume ciel. Si on ne parle pas de venir, si on ne parle pas de transformer, si on ne parle pas de venir, si on l'autre monde. C'est un énigme pour Nicodème. Nicodème n'a pas comprendre ça. Elle répond à Jésus, mais qui chante pour un homme qui déjà fait une grande monde entrer dans votre maman. Et vous le faites encore. Jésus-Christ, il va Nicodème enseignement. Pour lui dire, bagaille ça, ouais, Mabdoula, c'est bagaille préliminaire. Oui. Vous connaissez, frères et sœurs, pour bon bagaille, nous allons apprendre dans l'évangile. Là. C'est des choses préliminaires. Oui. Mais nous besoin d'entrer plus fond avec Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle création. Nous c'est une nouvelle création. Nous sommes l'autre monde. Mon ouais là c'est pas lui-même du tout. Peut-être que vous êtes connu, vous êtes connu quelques années de ça. Ou ouais même physique là. Peut-être que vous êtes capable de vivre un micro parce qu'avec un noir vieil, vous n'avez pas besoin d'un petit micro quand vous avez envie de décider encore. Mais, cependant, bon bagaille qui fait dans moi-même, bon transformation qui fait dans moi-même, à l'œil ni, ou pas capable de voir. À l'œil ni, ou pas capable de découvrir ça dans mon pensée, que vous changez déjà. À l'œil ni, ou pas capable de découvrir ça dans mon cœur, parce que le Seigneur est transformé cœur. Il va m'envoyer au cœur de, il va quitter avec cœur de bière que mon guéillon, mais au contraire, il m'envoie au cœur de chair. Jésus-Christ a transformé la vie complètement. Je suis capable de dire où il y a, mais c'est un monde nouveau. Parce que travail ça, le Seigneur fait pour nous. À ce moment-là, pour une illustration, d'après tes souris même pendant quelques minutes, sous t'appliquer tout ça que tu as dit dans le message là, on va changer l'illustration et ça va faire changer le message là. Bien entendu, l'illustration n'est pas parfaite. Mais vous êtes capable de tirer le son qui est important là-dedans. Concernant transformer, venir l'autre monde. L'idée dans le psaume 103, c'est là ma partie avec l'illustration, hein? C'est le psaume 103, à partir du verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La Bible, la parole de Dieu, parlait de faire rajeunir comme l'aigle. Nous connaissons nos bagages dans le processus qui gagne pour l'homme vieilli. Yo dit l'autre et puis tout remet lui en vie. L'autre vini dans l'âge moyen ou vient très sérieux. Et l'autre commence à avancer en âge, ou pas petit monde petit encore, mais on commence à faire grimace. Oui? Parfois, pour le monde qui très âgé ou vini, ou est dans l'âge, parfois grimace là, il y a fait assez pour le ouais, parce que vision, il commence pas bon, par contre, il faut faire comme ça. C'est pas vrai, on voulait faire grimace là, non? Mais c'est comme si nous avons son bagage qui marchait avec nature grand monde même. On commence à faire grimace. En plus, là, nous-mêmes, là, on a appelé des petites baguettes lunettes, nous, il y a fait grimace, on commence à faire. Non, mais la Bible parlait de rajeunir. Nous, pour nous, ça, c'est quelque monde, pour te repenser, peut-être qu'il y a 80 années, 90 années, comme ça. Mais l'autre gars, à peine si semble au monde qui a 50 ans ou bien 60 ans, nous dit que le monde rajeunit. Mais la Bible même parlait dans son 103, verset 5, que le Seigneur, c'est lui-même qui rassasie et vieillesse nous et qui fait nous rajeunir comme l'air. Ma petite illustration, elle là avec nous. Nous vivons dans le pays d'ailleurs. Symbole pays, c'est l'aigle. C'est aigle. Comprenez? Aigle, c'est une bête, un oiseau qui est puissant. Les lapes folées, il y a un vol majestueux. C'est le roi des oiseaux. C'est une bête qui est puissant tout. Je dis avec griffe pour elle gagner. Griffe, là, c'est puissant. Et pour elle prend poil, elle saisit poil. Quand elle saisit, et puis, il bat celle qui est puissant. Peut-être, je dis que de l'air. Pourquoi que le saisir a compte plus que ça le pesait, mais avec puissance liée, avec mouvement, avec zèle, et puis il voulait l'aller avec lui. Non seulement le puissant avec zèle, mais le puissant avec jambes, avec muscles, et surtout avec griffes, là où elle mettait même sous poil, le difficile pour chaper pour tomber. Et on dit aussi, l'aigle est encore puissant tout, le puissant avec bec. Il est tellement bête, il est tellement puissant, l'on doit frapper l'autre tête ou l'autre bête quelconque et puis presser lui à les moelles de lui. Son bête est majestueux, il est puissant. Mais cependant, oiseau puissant ça, oiseau majestueux ça, imposant même,
bon bagage qui vivait dans la ville, c'est une bête qui, c'est un oiseau qui vit plus longtemps, il dit ils vivent 30 à 40 ans. Mais les éclats approchaient 30 à 40 ans, ils commençaient à perdre la puissance. Les griffes ont commencé à déformer. On peut voir, même on ne dit pas que les hommes pendant longtemps, ou elle qui est à Kelvin. Donc les aigles arrivent au moment, les griffes ont commencé à déformer, les poils commencent à échapper, les mettent les mains sous. Les bêtes pour le Kembea, parfois ils vont aller parce que les griffes ont commencé à perdre la puissance. Et parfois tout, il commençait à vivre dans l'état, la perte du poids. Une raison, c'est parce que la nourriture commençait à vivre sous lui-même. Parfois, il n'y a pas qu'à béquer poids pour lui déchirer, pour le manger même gens. Parce que bec il vient arriver un moment, bec la vie tordé, il vient foncer net. Ça veut dire, Jean pour ta béquer, il n'y a pas qu'à béquer comme ça encore. Ça veut dire, même grand goût parfois, l'obligé de venir vivre comme. Mais l'aigle arrivé dans un moment ça dans la ville, elle va pas approcher 30 ou 40 ans. Elle a un choix pour le faire dans la vie. Premier choix, c'est pour le d'accord, pour le des gens, pour le mourir. Deuxième choix, c'est pour le fond sacrifice. Sacrifice ça pour le faire, c'est pour le renaître. Vous allez bien? Sacrifice ça pour le faire, c'est pour le renaître. Et façon pour être là capable de renaître. C'est pour faire une retraite de 40 jours. Pendant 40 jours, lui chercher un endroit retiré sur un rocher ou bien un arbre quelconque. Et puis, Aigle a commencé à faire sacrifice. Là. Pendant 40 jours, ça, premier bagage, Aigle a fait, avec Pekli, il a lâché toute zone qui a commencé à vivre ancien, qui n'est pas capable de faire, on va lâcher tout. Deuxième bagarre, il fait toute plume qui te gagne sous l'eau. Avec Bethlehem, il cherche au moyen. Il déplume tes minettes. Il retire toute plume honnête. Il vient minette. Et puis, dernier sacrifice là pour le faire à Kounia. Pendant que Zong yo commence à repousser encore. Pendant que Duvet yo, petit plume yo commence à pousser encore. Kounia fait troisième grand sacrifice là. D'accord pour Néa pour casser Bethlehem pour chercher un rocher, un roche, et puis pour frapper Bethlehem, juste lui casser Bethlehem quand on voit Bethlehem arriver en bas de la rue, pour casser Bethlehem totalement, pour le vivre sans Bethlehem pour Néa. Et puis pendant ce temps même, il était là, griffio a repoussé encore, l'union a repoussé encore, et puis Bethlehem pour Néa. Bec la Kounia vient repousser. Vient elle sortait avant le moment de retraite là. L'eau vient ouais, 80 jours après, où elle gêne comme si m'a besoin elle qui fait sauter dans la niche. Alors il dit Kounia, elle la renaître. Elle la rajeunit. J'ai l'impression, David dit, écoute, sonnant, t'es contre ça très bien, t'es contre l'utilisation ça très bien, t'es contre bagage ça très bien. Et puis il dit, le Seigneur, c'est lui-même qui rassasie de bien vieillesse nous et qui fait rajeunir comme l'aigle. Aigle la renaître. Et puis Kounia le reprend vol lui encore. Avec nouvelle disposition, ça se prend. Avec retraite, ça qu'elle se fait, elle se prend. Avec sacrifice, ça qu'elle a consenti. Pour te racher zone, pour te racher plume, pour te racher bec. Pour n'y aller, il y a un aigle nous. Il y a une autre bête. Il y a un autre oiseau. Il paraît jeune comme si nous avons une enfance lui-même lié. Et grâce à sacrifice, ça qu'elle se fait, changez bien tout à l'heure de nous. Il est capable de vivre entre 30 et 40 ans. Grâce à sacrifice, ça se fait. Il est capable de vivre l'autre 30 à 40 ans encore. Frères et sœurs, nous allons appliquer l'illustration ça dans la vie. Nous. Où est pour nous venir l'autre monde dans le Seigneur? Pour nous venir au monde nouveau? Il y a des sacrifices que nous devons consentir. Amen. Il y a des sacrifices que nous devons consentir pour nous capables de finir au monde nouveau. Là, nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme maître et sauveur personnel.
Oui, il rendait nous pour nous venir joindre. Il rendait nous et il parlait nous seulement pour nous venir chiter à l'église. Il parlait nous pour nous seulement nous pour nous dire pour ça on va prendre service car il passe un tel. Il parlait nous pour nous prendre service. Mais il rendait nous à son service. Nous sauver pour nous servir. Amen. Et sauver pour servir, nous demandait de grands sacrifices, frères et sœurs. Laissez tous nos bagages sont dans l'église là depuis longtemps. Vous êtes un monde qui sauvait déjà. Et pour moi, c'est chiton, chiton, c'est service. Vous apprenez, laissez-moi tout. Avec le moment de réveil, ça a fait. Il commence à soi, commencez à bailler. On est là pour mettre les côtés pour gagner les amours de Seigneur. Et très important, nous sauver pour nous servir. Pour nous venir dans l'autre monde, lui demander un pile sacrifice. Ça veut dire, il y a quelques bagailles dans nous-mêmes, nous devons dépouiller de nous. Quelques mauvais brumes qui poussent sur nous, quelques mauvais ailes. Il lève, ou yo vieilli, yo suranné, yo ancien, yo lève pour moi retiré. Nous content de quelques moun yo qui dit nous même c'est caractère, c'est comme ça que c'est dans famille, moi c'est dans maman, moi premier. Laissez-moi dou, bagage ça reprend dans maman ou bien dans papa là, yo pas mené dans ciel. C'est moment pour nous faire sacrifice pour retiré. Le Seigneur fait provision pour nous mêmes. C'est pour cela le voyer les prédicateurs, c'est pour cela le voyer les pasteurs, pour capable prêcher aux paroles là, pour capable conformer d'après la volonté de Dieu. Non, d'après la volonté du monde. Pour nous capables de venir une nouvelle créature, il y a des sacrifices à faire, frères et sœurs. Comprends? Pour nous capables, ça qui te paraît de gagner valeur pour nous-mêmes, ça qui te rend nous opulents, ça qui te rend nous puissants. Bon moment qui vient pour nous, c'est pour renoncer à eux-mêmes. C'est pour renoncer à eux-mêmes. Pour ce n'est pas eux-mêmes qui gagnent valeur pour eux-mêmes encore, mais c'est le Seigneur qui gagne toute valeur pour eux-mêmes. Il y a des gens qui gagnent valeur pour eux-mêmes, c'est belle caille, belle auto, belle rade. Laissez-nous, même dans le cimetière, on va manger avec vous. Belle rade, si on veut en mettre sous moi, on veut tirer sous moi, on ne peut personne nous apprendre la vie à Dieu. Belle auto ne pas jamais vous fouiller tout pour toi. Son petit bagage au bas où peut-être 7 pieds de longueur, 3 pieds. Donc, vous ici, mais vous pouvez ici pour fouiller ce qu'elle a.